Ce bidonville est situé en plein centre de Calcutta. Il n'est pas une exception. Isolée à la frontière orientale du pays, cette ville gigantesque est en récession. Vestige du colonialisme, elle s'adapte mal aux nouvelles données de l'économie indienne. Les conditions de vie des habitants ne font que se dégrader. Et pourtant, les immigrants continuent d'affluer. Ils trouvent difficilement du travail. Plus d'un demi-million d'habitants n'ont pas de domicile fixe. Ils vivent, couchent et parfois meurent dans la rue. Pendant la mousson, la ville est envahie par les eaux de pluie. Dans 20 ans, si l'accroissement démographique se maintient au taux actuel, Calcutta atteindra 20 millions d'habitants. Cet immeuble de 25 étages est le plus moderne de la ville. Il abritera des bureaux. La main-d'œuvre est si abondante et si bon marché que le travail n'est pratiquement pas mécanisé. Des ouvrières se relaient jusqu'au sommet pour monter les briques. Les tiges d'acier pour le béton armé sont hissées depuis le sol par une équipe de 12 hommes. Ces 12 hommes coûtent moins cher qu'un treuil. Les syndicats ouvriers luttent activement contre la mécanisation qui aggrave le chômage. Pousse-pousse, manœuvre, presque tous les travailleurs manuels sont des paysans venus temporairement du Bihar, l'état voisin du Bengale. Les Biharis sont 2 millions, soit le quart de la population de Calcutta. Ils constituent un sous-prolétariat flottant en marge de la collectivité. Leurs salaires sont les plus bas, de l'ordre de 75 roupies, soit 60 francs par mois. Leurs conditions de vie les pires. Ils économisent tout ce qu'ils peuvent et après quelquefois 20 ans,
retournent dans leur village où ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Cette immigration masculine explique qu'il y ait à Calcutta deux hommes pour une femme. Après leur travail, les porteurs de la station de Sealda, tous originaires du Bihar, se sont rassemblés sur le trottoir en face de la gare pour une cérémonie religieuse. Une grande partie du commerce et de l'industrie à Calcutta est contrôlée par les Marwaris, originaires d'un petit état désertique du Rajasthan, à l'autre extrémité de l'Inde.
mariage dans une famille bourgeoise mélange les traditions les plus strictes et des influences occidentales. Un accordéon musette jouera toute la nuit pour les invités. Le père de la mariée est un riche imprimeur, membre du Rotary Club et du Parti du Congrès. La cérémonie religieuse proprement dite dure environ 40 minutes. Le rituel, très complexe, consiste en purification, en offrande, en invocation des éléments. La jeune femme apporte en dot une somme d'argent importante et tous les bijoux qu'elle a sur elle. Le trait rouge qui partage les cheveux de la mariée indique que le sacrement est accompli. Elle le gardera jusqu'à sa mort ou jusqu'à son veuvage. Sur la terrasse de la maison où a lieu le repas de noces, les 1000 invités se mettent à table par fournées successives. On ne sert pas d'alcool. La cérémonie et la réception coûtent 15 000 roupies à l'imprimeur. Certains élèves de cette école étudient depuis 10 ou 12 ans, sans ambition professionnelle, pour le plaisir. Ils travaillent sous la direction de Hashish Khan, fils d'Ali Akbar et neveu de Ravi Shankar.